Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bolus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Far Cry Primal. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je viens d'avoir 2-3 bugs. Là apparemment c'est corrigé, j'ai eu un gros bug de lag. Apparemment mon processeur ne se lançait pas au début du jeu. Gros stress. Donc c'est pas, j'ai lancé le truc, j'ai lancé la vidéo, je me suis dit bon bah voilà, on va voir si ça marche. Et apparemment c'est bon, donc du coup je me rappelle plus du tout ce que je voulais faire. Bon. Confection, carte. On avait ramélioré certaines huttes, il fallait qu'on aille chercher des bonhommes, effectivement. Ça c'est l'américain qui vole. Make fuck yeah. Bon d'accord. Et ici surtout on a un ami à aller chercher. D'accord. Et un autre par là. Eh bien écoutez, je pense qu'on va aller chercher ce camp là, déjà, en nous téléportant ici. On va commencer par ça. Je m'inquiète maintenant, je suis en train d'écouter ma tour tout le temps là. On va plutôt regarder si j'ai le bon arc. Oui, apparemment j'ai le bon arc. Par contre, ça sert à rien de monter par là parce que de toute façon, je ne pourrais pas en redescendre. Hop, c'est parti. Salut l'ami, t'es tout blanc. Sans doute parce qu'il neige. Alors. On récupère ça. Cèdre du Nord. Nous sommes à peine 184 mètres. Ce qui n'est pratiquement rien. Quoique, vu le précipice qui est entre nous, c'est quand même quelque chose. On va utiliser la grille grappin pour descendre. C'est pas grave. Hop. Dans 30 mètres, 100 mètres, apparemment c'est dans une crotte, avant-poste de la tanière. Donc c'est bel et bien dans une grotte. Hein. C'est plus qu'à trouver. Voilà, c'est par là. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Tombe pas, Marcus. Oh, putain. Ça inspire confiance. Alors j'imagine qu'il va m'abandonner à l'entrée. C'est des pièges ou quoi? Non, il m'abandonne pas. J'aurais juré avoir vu quelqu'un. Pousse-toi! Oh, qu'il est con! Oh, l'endroit de merde. Un tireur d'élite là-bas. Ah, oh, m'énerve. Ok. Ok, soigné. Hop. Le poison, ça fait mal. On est mal parti. Tiens, bouffe. Hop. Ouf. Hop les.
Aïe. Voilà. Oh putain, où qu'il est lui. On va passer sur la sagaie. Hop. Hop les. Voilà. C'est fait. La viande. Des os, mince. Oh, joli. Joli. Joli avec le hurlement du roi lion derrière. Bon. C'est sympa comme endroit, une grotte. Ça change tous les avant-postes en plein air en fait, surtout. Et puis c'est logique concernant la zone, que ce soit dans une grotte. What the... C'est un loup, mais je crois que c'est un des fameux loups... un des fameux loups qui m'intéresse. On peut pas aller le chercher, c'est ça? Je crois que c'est un des fameux loups tigrés là. Vous savez? Loup apprivoisé, dommage. C'est juste un loup classique, mince. Moi c'est lui que je voudrais voir. C'est pas grave. T'es une belle bête quand même. On a un tas de cadavres à vérifier. Récupérer un maximum de flèches, de machins, de bidules, de trucs. De viande aussi effectivement. Hop. Je crois qu'il va falloir que je m'éclaire de toute façon. Hop. Je l'ai fouillé apparemment. Alors, où sont les autres? Où sont les autres corps? Ici il y en a un. Bon. Écoutez, apparemment je vais pas en trouver d'autres, hein. Apparemment c'est mort. Apparemment c'est mort, cache de récompense. Hop, on récupère de tout. Ici, on récupère tout aussi. Et aucune peau de bête rare. D'accord. Ok, on y va, on sort. Hop, on éteint le feu. Et je pense qu'on va appeler une autre bébête. À moins que, attendez. À moins que. On peut aller jusqu'ici. Ce serait peut-être pas mal d'aller ici choper le bûcher. Et ensuite aller choper notre mec. Pour le mammouth. Ça devrait être fait assez rapidement de toute manière. Oh! Ok, viens par là, toi. Okay. Tiens, bouffe. Bien joué, le loulou. Bien joué, le loulou. Hop. Même si tu n'es clairement pas mon genre de bébête. Un gros nounours, ça devrait pas être mal. Alors, on a un petit chemin par là. On est à 500 mètres. Ah non, donc il va falloir que je prenne le tigre. Si je veux pouvoir aller rapidement sur place, il va falloir que je prenne le tigre. Toi, pourquoi tu viens au cac comme ça? T'es fou?
des copains pourtant. Faut voir des ennemis. Hop. On a un petit camp ici. Oh, un élan. Élan rare en plus. Vas-y, bouffe. Attends. Où est-ce qu'ils sont? GG. Hop, dépecer le grand élan blanc. Je crois que c'est ça, hein. Graisse animale, peau de... Ah, élan roux, pardon. Où est-ce qu'ils sont? Hop, les tire à la tête. Tire à la tête. Hop. Donne-moi tes flèches, ça m'intéresse. Flèche en bois, une. Putain, ils sont radins. Bon, on y va. On a dit qu'on devait y aller assez vite. D'ailleurs, en parlant d'aller assez vite, ramène tes fesses. Hop, tu permets que je te monte? Merci. On y va. Hop, ça va quand même beaucoup plus vite. Un lion noir. Je crois que c'était un lion noir, chers amis. J'aurais... Il me semble qu'il y a autre chose qu'il faut que j'apprivoise aussi. Hein. Ouais, voilà, la panthère. Le jaguar noir, pardon. Et le léopard. Le léopard. Le léopard, ça peut être intéressant. Il va falloir le faire peut-être assez vite. Ok. Ok, ok, ok. Ok, la musique s'excite. Pour une raison complètement inconnue. Hop. Voilà. Ah, dommage. Là, il y a un cadavre. Cadavre de Houdam. Apparemment, il y a un lion qui se fait son petit repas. Ok. Ils sont en hauteur et nous sommes en contrebas. C'est pas bon. C'est clairement pas bon. Oula. Je crois que j'ai tiré une flèche dans mon truc. C'est pas grave. Ouais, j'ai tiré une flèche dedans parce que c'est moi qui me la suis récupéré la flèche. Hop. Alors, si j'arrive à grimper comme ça, ça peut être trop cool. Dommage. Ok, on... Hop, vas-y. C'est bon. Oh, ça va être tellement facile. Le stress. Le stress de mes ennemis. Ok. Ok, je prends cher, je vais bien l'admettre. Bouffe. Bouffe. Qu'est-ce qui me tire de trucs comme ça? Putain, je te vois. Tiens, bouffe. Hop. Tu veux te la faire? Putain, j'ai raté mon exécution. Oh la vache!
bien. Oh la vache. Raté. Hop les bouffe. On l'a eu. On l'a eu. Difficilement, mais on l'a eu. $900 XP. Ok, bon bah ça c'est fait. C'est fait. L'autre qui reprend des forces un petit peu. C'est parfait. Petit déj qui essaie de remonter, moi c'est violent. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit là? Allez! Allez! C'est dommage. C'est bel et bien enfui aussi sec. Hein. Quel dommage. Tiens, bah soigne-toi, toi. Si j'avais pas mis 30 ans à te soigner. On va aller récupérer ça sur les chefs aussi, parce que putain, ce qu'ils nous ont mis. Oh la gueule. Je peux le prendre? Ah, j'ai pas de gourdin à deux mains encore, le point de compétence gourdin à deux mains du coup. Il veut pas que je le prenne, c'est stupide. C'est absolument stupide. Bon, chasse au mammouth. Ah merde, je l'ai effrayé en sprintant, d'accord. Bon à savoir. Enfui. Et il s'est complètement enfui. Ok, bon bah il veut pas. Hop, sauver un mammouth, monter sur son dos et piétiner le chasseur Udam. Vous devez passer les compétences, c'est bon, je l'ai. Oh. Bouillie de Udam, d'accord. C'est quoi ça? La viande, on a du poulet, c'était un KFC, d'accord, ok, pourquoi pas. Je quitte pas la zone de mission. Ah putain, si, je m'y rampe. Merde, je me trompe. Parce que je me suis planté, j'ai laissé l'indicateur sur la carte. Quel con. Trouver le mammouth, bah oui, tu m'étonnes. Ok, c'est parti. Ah. Par là. Bon, vu que ça commence à me faire chier de le faire à pied. Hop. On y va. Ok.
Détruisez les arbres d'os. Les arbres d'os, pardon. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Je détruirai tout, moi tu verras. No soucis, man. Charge. Hop. Ouf. No suicide. Il y en a encore en bas. Oui, je viens de me faire descendre d'un étage, c'est pas grave. Il y en a encore là. Ouf. Ok. On voit encore là-bas. Tiens, bouffe-le. Hop. Hop. Tiens, regardez ça. Hop les balayages. Balayage. Hop les. Et voici potentiellement le dernier. Et voilà, on l'a. Rejoignez le troupeau à dos de mammouth. Oui, madame. Parfait. Attaque nocturne de mammouth. Allez. Alors, voilà. Salut les mecs. Descendez du mammouth. Je voulais ramener. Va mammouth. Va. Ah merde. Je suis descendu trop loin. Je crois que je suis descendu trop loin. Non, c'est bon. Bouillie du dame. Voilà. D'où dame. Bon. Bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Ça va mon pote? On a perdu une grosse quantité de nos... Tiens donc, justement. Je ne te veux pas de mal. Lui, il m'en veut. Lui, il m'en veut du mal. Lui, il m'en... Putain, t'as eu celui-là. Ils m'en veulent du mal. Ouf-le. Oh la vache. Je suis suivi. Je suis suivi par une chier de mammouth. Regardez ça sur le radar. La chier de mammouth. Je suis suivi par une chier de mammouth. Nom de Dieu. Il me rattrape ou quoi? Je pensais avoir la bête la plus rapide du jeu. Passe par les arbres, Marcus. Putain, il me rattrape. Nom de Dieu, il me rattrape. Aïe, arrêtez vos conneries! Oh putain, il me rattrape! Non, c'est bon, là je devrais être tranquille. Oh la gueule! Oh là là, la guerre pour échapper au mammouth quoi! Je sais même pas où je suis. D'accord, ok. Oh! Oh la guerre pour échapper au mammouth! Bon. Eh ben écoutez, on va se rentrer, chers amis. Et on va se laisser là.
pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joie de la Playroom, de votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans les descriptifs de l'épisode vers mon partenaire GameSpan.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo, je vais de plus en plus vite.